sur hélico qui va s'occuper de tout ce qui est moteur. Même des mécaniciens qui sont à bord des hélicos, on appelle ça des mécaniciens navigants. La mission du contrôleur aérien est de guider les aéronefs, de leur permettre d'atterrir et de décoller en toute sécurité. On déploie notre matériel et on fait exactement le même travail qu'au Roger. Les personnels qui ravitaillent sont des EVAT qui sont plus ou moins indépendants. Ils prennent leur camion, ils vont sur le terrain, là où se trouvent les hélicoptères. La mission du PRB, en fait, sa première étape, c'est déjà de sécuriser la zone et justement aider cet hélicoptère à atterrir en toute sécurité. Ils exercent aussi le métier de combattant. Ce sont des jeunes très dynamiques, sportifs, qui n'ont pas peur de se jeter dans l'action. Le Koweït, la Guyane, le Rwanda, Nouvelle-Calédonie, l'Irak, Haïti, l'Albanie, le Gabon, Djibouti, l'Indonésie, le Tchad, l'ex-Yougoslavie, l'Égypte, la Réunion, le Liban, Kosovo, Mozambique, la Macédoine. On est H24 dans nos positions. Quoi. Non, le but du pompier, c'est d'assurer la sécurité au niveau aéronautique et d'installation, feu d'installation, avec les véhicules qui sont mis en œuvre et le personnel adéquat. La différence, c'est que nous, on est spécifié dans tout ce qui est aéronautique, donc aéronef, l'intervention. Et on peut intervenir avec le matériel sur tout ce qui est accident de voiture, désincarcération, etc., etc., car on a la même formation que dans le civil. Ensuite, il y a les brancardiers secouristes qui arrivent pour conditionner la victime et la faire évacuer sur le CH le plus proche de l'accident. Les équipes cynophiles chez nous sont là pour assurer déjà la sécurité au sein du régiment. Peuvent être amenés à être projetés sur différents théâtres. Les chiens sont considérés chez nous comme des soldats. Le jeune qui s'engage aujourd'hui dans l'armée de terre, qui est autrefois cuisinier dans le civil, son premier métier sera le métier de soldat, son second métier sera le métier de cuisinier. On prend la cuisine comme dans le civil, hein, tout simplement. Le soldat, quand il ne part pas en mission à l'étranger, qu'il reste au régiment, il s'entraîne. Par exemple, nous, en tant que pompiers, on continue notre entraînement sur les feux d'aéronef. On maintient nos niveaux en niveau secourisme par des manœuvres. Et on continue à travailler tout ce qui est physique par le sport. Faire du sport au régiment, ça permet d'entretenir la cohésion. Oui, effectivement, même si on a un petit peu des difficultés, on sait que tous les autres personnels sont toujours là pour nous soutenir. En footing, en sport collectif et même sur le parcours d'obstacles. Football, volley, rugby. Également une salle de squash. Du VTT. La musculation. Du badminton. Du foot en salle et du sauna. Et tout ça au régiment. J'habite Verdun, une ville qui est à 25 km du régiment. Elle est dynamique, il y a plein de choses à faire. Plein de troquets. Pour se promener en amoureux, il y a des beaux parcours nautiques à faire, il y a des parcours pour courir, VTT. Le régiment se situe à 20 km de Verdun et à 50 km environ de Metz. Il y a l'autoroute qui se trouve à 10 km du régiment. À côté de Metz, il y a Amnéville. On y trouve le zoo, le cinéma, les thermes, une station de ski, le casino, des boîtes de nuit, des restaurants. Donc il y a plein de choses à faire sur Metz. Il y a beaucoup de magasins, de vêtements, loisirs, de grandes rues piétonnes.